spirituellement et vous êtes appelé à mûrir. Plus tu mûris, la maturité spirituelle. Lumière divine, tu veux que je te consulte? Je peux te consulter à direct si ça te dérange pas. Tu vois que tu me suis depuis un moment déjà, non? Ah, Madame Miklaris, tu demandes, tu dis pas en direct pourquoi? C'est lumière divine qui a demandé. Attends qu'elle me réponde. C'est pas tout le monde qui veut cacher ces choses forcément. Donc je mets la lumière dans vos esprits pendant que vous m'écoutez. Toute direction dont vous manquez, que vous trouviez, toute peur qui occupait votre esprit, qui vous a envahi pendant que vous m'écoutez, je vous en débarrasse. Que les paroles que je vais vous donner remplissent votre âme. Que les paroles que je vais vous dire guérissent votre âme. Je dois vous parler de l'évolution spirituelle. Quand vous grandissez, dans le spirituel, on ne grandit même pas verticalement. Dans le physique, on grandit en hauteur. Dans le spirituel, on ne grandit pas en hauteur. Tu peux avoir une période où tu explores un aspect où tu es blessé. Tu as une autre saison où tu explores un autre aspect. Et quand tu explores, ça te fait grandir. Je rappelle la croissance. Mes employés qui regardent mon direct, regardez l'orthographe de ce que vous avez écrit dans le groupe. Et vous serez encore pénalisé pour ça. Vous manquez d'attention aux détails. Mes employés qui sont en train de regarder, qui sont en train de faire l'erreur dans le groupe, je vais vous pénaliser. Voilà. Je disais que vous ne grandissez pas verticalement. Vous vous élargissez. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer ta croissance avec une autre personne. Tu ne peux pas. L'ennemi connaît quand vous êtes sur le point de franchir une autre limite. Et croyez-moi, tout plafond que vous franchissez,
Ça se sent sur le corps. Je ne suis pas là pour parler de vos rêves, Alvin. Je ne parle pas des rêves. Si tu regardes peut-être quand tu t'es marié, la semaine qui a précédé ton mariage, ou bien deux jours avant ton mariage, tu avais l'impression que ton corps allait exploser. Toute élévation a toujours une pression venant du diable vers vous. Toujours. Tu ne peux pas être choisi. Tu dis que je vais agir. Je vais avoir des personnes derrière moi. Je vais suivre spirituellement ces personnes. Je vais aider ces personnes à découvrir leur mission de vie. Tu ne peux pas avoir des gens que tu vas aider. Et ta vie est simple. Impossible. On viendra te tenter. On te tentera. Quand ce n'est pas extérieur, tu vas sentir la pression dans ton corps. La façon dont vous abordez les nuits noires de l'âme, les dépressions, doit être différente. Surtout quand tu connais que tu es sur un champ de bataille. C'est une chose de se dire, le diable pourrait m'attaquer. Et c'est une chose de dire, ça c'est une attaque, je ne réagirai pas comme il attend. Tu demandes le visa. On donne, tu n'as plus le billet d'avion. Tu n'as plus l'argent pour payer le billet d'avion. Parce que tu as une limitation géographique. Un jour, il y a une femme qui a fait son témoignage. À l'époque, elle avait bossé. Je l'ai rencontrée la veille de son départ pour la Turquie. Elle me dit, tu sais, il y a cela quelques années, j'avais travaillé, j'ai cotisé mon argent. C'était 3 millions. On a trouvé le réseau pour aller en France. La période où on me dit, ma mère découvre qu'elle a le cancer. Tu fais quoi? Elle a pris les 3 millions. Elle a mis sur la maladie. Dès que les 3 millions sont finis, pac, sa mère est morte. Elle a perdu sa mère. Elle a perdu le voyage. Elle a une limitation. Voilà, on t'a offert le billet pour la Mecque. Et tu es tombé malade. Parfois, la veille de ton voyage, tu tombes malade, tu te dis, ça te secoue. Avant, quand j'écoutais des personnes qui disaient que je suis choisie, je me disais qu'il est dans YouTube. Comment est-ce que moi je peux être choisie? Je te vois dans YouTube. Tes guides vont passer par les personnes que tu trouves dans ton téléphone pour te parler. Quand tu guéris, on avait clôturé les inscriptions.
Exactement ça. Les personnes élues, peut-être il y a 4-5 personnes qui font leur papier. Vous quatre, vous avez le même profil. Tu mets ton papier dedans, tu donnes aussi. Pour tout le monde passe. Le jour on doit faire pour toi. La veille, on arrête celui qui faisait les papiers des gens. On le met en prison. Que ta part est bloquée. Voilà, Emmanuel dit qu'elle a été hospitalisée une semaine avant son voyage. Les nuits noires de l'âme, vous devez comprendre. Il y a des familles où il y a des entités qui ne veulent pas que vous vous mariez. Il y a des familles où il y a des entités qui ont dit que vous ne devez pas voyager. Quelqu'un vient, il veut même t'aider. Il fait faillite. Juste qu'il te laisse, il part. Quand il te laisse comme ça, là, un an plus tard, c'est bon, ses finances sont revenues. J'ai quelqu'un que j'ai voulu aider une fois. Je n'ai jamais fait le passeport de quelqu'un, ça a fait 2 mois. Ça part, on est déjà 3 mois, 4, je ne sais pas combien de mois. Oui, j'avais un problème sur la souche de ceci, il paye l'arrange. Non, j'avais un problème sur ceci, il paye l'arrange. J'avais un problème. Parce que l'esprit là veut fatiguer celui qui est en train de t'aider. Quand tu commences, tu dis que tu jeûnes. On est en train de jeûner aujourd'hui. On est en train de jeûner. C'est là que tu vas voir les maux de tête. Oh. Les bagarres qu'on vient te provoquer chez toi. Oh. Ton corps fait un jarre. Tu es lourde, fatigué. Tout t'énerve. Que donnez-nous la solution? C'est toi-même qui te sors de ton trou, hein, chérie. C'est toi-même. Tu as compris? Je sais que vous n'aimez pas entendre ça. La veille de ton jugement au tribunal, on a affecté ton juge. Quand tu jeûnes ton corps, c'est comme si on a mis l'eau chaude dans ton corps. Ça chauffe, tu te couches chaud, tu mets les vidéos, rien ne donne. Yay! Yay! Ton fils pleure depuis 1 heure de temps. Il a commencé à rire à 18h. Florence, voilà la fatigue. À 6h30, tu disais, est-ce qu'il y avait tennis? J'ai faim. D'habitude, tu ne manges pas avant 10h. Mais c'est le jour où tu jeûnes là. 6h30, tu as faim. Maintenant, vous devez comprendre la différence entre les superstitieux qui ne cherchent que les petits détails. C'est pour ça que vous allez me voir. Au départ, j'enseignais toutes les astuces, astuces, astuces. Mon appel n'est pas dans les astuces. Je suis la puissance qui vous permet de comprendre que vous êtes la puissance derrière les astuces. Vous êtes la puissance derrière les astuces. Je te plais bien. N'est-ce pas, il me met ici là pour dire que je juge si je vous plais ou pas. Je suis déjà habitué tous les jours quand on jeûne. Tu as de très fortes douleurs à l'estomac. Mais les jours que je ne jeûne pas, je n'ai pas ça. Au début, ça te faisait arrêter le jeûne. Mm-hmm.
Marraine, façon que tu répètes, donnez-nous la solution. J'ai compris que nous devons investir sur notre spiritualité pour nous sortir de là. Très simplement, très clairement. Très simplement, très clairement. Sortir d'un trou, ça demande un conditionnement mental. Avant qu'on ne touche la spiritualité, ton mental d'abord doit être préparé. Sinon, tu retournes dans le trou. Yannick, pardon, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Peut-être te bloque. Tu n'étais pas marié. Tout ton palmarès là-bas, c'est le mariage. On va retirer l'argent à la banque avec le mariage. On monte la banque comme ça, on nous donne l'argent à la banque. On achète le terrain. Tu dois d'abord être mentalement conditionné. Comme je suis là, voilà ce qu'il demandait le matin. Mon mois de juin ne peut pas finir et que je suis au même endroit. Les sauts quantiques viennent avec des douleurs sur le corps. Quand tu vois quelqu'un comme ça, là, un mois plus tard, elle a fait ça. Deux semaines plus tard, elle a fait ça. En espèce de deux semaines, elle prend trois locaux. N'est-ce pas, vous pensez que c'est le qui veut? Hein? Tu es à la maison chaque jour, tu vends. Tu décides que je vais trouver le magasin. Il me faut ouvrir un magasin. Voilà un saut que tu vas faire dans ta vie. Sosa. Bonsoir. Tu es toujours au Cameroun. Cameroun, tu dis non, il faut que je sorte et pas en Côte d'Ivoire pour voir la marchandise. Il faut que pas même en Turquie. C'est un saut que tu dois faire dans ta vie. Ah, tu penses que l'ennemi va te laisser partir. Il y a des familles que tu ne dois pas prendre l'avion. Même pour aller à Bafoussam. Pour aller d'une ville à une autre, tu ne dois pas prendre l'avion. Les esprits là doivent s'assurer que tu ne prennes pas l'avion. J'ai des personnes qui sont arrivées dans leur vie comme ça là. Pam, 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 un mois, la personne te prend l'avion pour partir. Même si ce que tu peux faire, c'est peut-être le travail, c'est moi qui t'envoie. Il faut savoir que ça demande de l'énergie. C'est un saut quantique que tu as fait. Merci, Kenny. J'avais une dame qui travaillait pour moi. J'ai beaucoup aimé la dame là, mais elle ne m'écoutait pas trop. Elle prend son salaire. Ma famille a dit qu'on cotise pour le grand-père. Tu vas en ligne, maintenant tu vas ouvrir le magasin. Il faut forcer, tu ouvres. Elle ne m'écoutait pas beaucoup. À un moment, je vais avec les enfants dans un autre pays. Je lui dis, je te propose de venir avec nous là-bas. Comme tu sais, tu es la ménagère, tu viens là-bas avec nous. Tu crois que dans la vie d'une ménagère, quand est-ce qu'elle va se retrouver qu'elle a pris l'avion? Parce qu'elle aurait économisé, dit qu'elle va en Turquie pour faire les vacances. On sait tous que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas facile. Je lui dis, réfléchis. Elle revient et me dit, oh, mes frères dans ma famille m'ont dit que vraiment le pays où tu veux m'amener là, qu'il y a les sorciers là-bas. Je dis que mamie, fais très attention. Fais attention. Parce que les gens qui sont... Si c'était eux, ce que tu as seulement appris qu'ils sont partis.
Mais ce que tu apprends seulement que ton Jacqueline est partie. Oui, elle est là-bas depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'elle est partie. Toi, tu fais le conseil de famille. Tu dis, ma patronne veut m'amener dans tel pays. Hey, Jesus. C'est comme ça que vous êtes bête. Je la fais asseoir, je lui dis, voilà comment tu dois mettre tes finances. Comme tu es pris à l'étranger, je te paye. Je crois que je donnais deux fois plus que son salaire. Oui. Deux fois ou bien deux fois et demi. Je dis que voilà, tu vis chez moi ici, donc tu as l'opportunité, tu manges à la maison. L'argent que tu obtiens ici, là, si tu ne fais pas attention, quelqu'un va tomber au pays, au malade au pays, ça va partir que sur ça. Ah non, tu sais, il y a telle personne, je devais envoyer un peu seulement, c'est urgent. On fait tous un saut. Mais il y a les secrets spirituels que vous utilisez et que les gens ignorent. C'est la cause de mes vidéos. C'est pour ça que j'ai fait les vidéos pour partager à ceux qui veulent. Je sais que vous allez vous dire que ce n'est pas tout le monde qui va tomber sur ma vidéo, il va s'arrêter. Parce que le truc, c'est que les secrets, ce que je vous dis, c'est au-delà de mes paroles. Quand je parle, ce que je dis, on t'a déjà dit ça depuis 3 mois. Tu sens ça dans ton esprit. Même hier dans la nuit, tu t'es réveillé. On t'a dit. J'ai une règle dans mes amitiés. Je ne suis pas ami avec quelqu'un qui ne fait pas ce que je fais. Ou bien quelqu'un qui n'est pas dans sa mission de vie. On va parler de quoi? Parce qu'il y a une protection quand tu es dans ton appel. Mais dis non, j'ai un ami chez qui je passe souvent. Ne me parlez pas de vos rêves, hein. Hein? Jessie, fais attention. Il me dit non, j'ai vu, l'esprit lui montre que tu dois arrêter avec telle personne. Il me dit, je lui dis que être ami avec quelqu'un qui n'est pas dans son appel, peu importe l'onction qu'il a, c'est des risques que tu cours. Ça n'a même pas fait une semaine, peut-être 5 jours. Il a eu un incident avec lui. Il dit, ah, tu avais raison. La différence entre vous et moi, c'est que quand j'entends, beaucoup d'entre vous, quand ils disent, ah, tu me parles, ce que tu dis me concerne. Parce que l'esprit te parle déjà depuis. Mais tu fais la sourde oreille. Tu es têtu. Tu es têtu. Même ce que vous dites que consultation, là. Je te dis, lave-toi d'abord celle. Achète un agenda, tu commences à prendre des notes. Ce que j'ai dit dans la consultation, c'est ce que toi-même on t'a déjà dit. Tu viens que je confirme. Tu ne veux pas, tu laisses. Parle ton agent. L'eau de mer, c'est bon pour les bains. Ce n'est pas le sujet de mon direct. Nous sommes des esprits qui vivons une expérience humaine. Et le plus grand des blocage familial. Parce que tu as des choses dans tes gènes qui te prédisposent à attirer ce qui va te bloquer. C'est une prédisposition. Maintenant, sans compter alors le chantage émotionnel qu'ils veulent te faire. Mademoiselle M, je ne t'ai pas répondu. Ce n'est pas le sujet de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Tu as changé, hein?
Vraiment, tu étais ma cousine chérie. Maintenant, parfois, il te faut le chantage. Que si on veut t'épouser, tu veux te marier ici, c'est nous qui allons t'épouser, non? Pardon, c'est nous qui allons recevoir ta dot. Si tu t'amuses, tu ne fais pas ce qu'on veut, on va te bloquer. Elle va tourner, tourner. Si elle meurt, c'est nous qui allons l'enterrer. Ce serait déjà morte. I would have died already. Tu es dans une famille. Tu as un peu d'argent. Tu travailles 100 000. Quelqu'un tombe malade. La facture dans la famille, c'est 120 000. Tes oncles envoient 5 000. Le reste sur la facture, c'est 90 000. Tu sors tes 90 000. Sur tes 100 000, tu donnes. Tu es folle. Oui. Tu es folle. Ils ont prévu de te vider. Je demande maintenant quel est le forfait familial. C'est 10 000. D'accord, j'envoie mes 10 000. Tu es cousine, je suis aussi cousine, non? Tu es tante, je suis aussi tante, non? Hein? Voilà. Tu es petit-fils, je suis aussi petite-fille. Cotisation par forfait. Ta famille se mettra contre toi et te mènera la vie dure. Et puis quoi? Est-ce qu'il te fait... Depuis que ta soeur t'a déjà appelé pour te dire que prends 50 000? Hein? Rares sont les familles où tu vas voir quelqu'un qui va dire que non. Il faut que je me casse pour que ma petite soeur parte en Europe. Même le père ne te positionne pas quelque part. Pourquoi vous aimez tout fonctionner avec la fiction? Moi, je prends les gens avec leurs actions. Prophète, tu dis que la femme, si se bat pour trop pour nous, on doit tirer profit. Mon souhait, c'est que vous puissiez... Ce qui nous vide, qui fait qu'on n'accomplisse pas, c'est qu'on n'écoute pas. Je reçois cette onction fois 100, je reçois. Tu as dans ta famille même un oncle qui aurait pu te positionner. Il ne l'a pas fait. Pourquoi tu penses que c'est toi qui dois être celui qui va porter tout le monde? Pourquoi? Hein? Il y en a parmi vous que si tu meurs aujourd'hui, tes enfants vont souffrir. Hein? Si tu meurs, c'est seulement dans l'au-delà que tu vas seulement parler au passant pour connaître ton enfant. Je suis l'aîné de ma famille, ma chérie. Premier de papa, premier de maman. Je suis aîné. Je suis aîné. Laissez-moi vos affaires que je suis la première de la famille. Je suis obligée. Partez, on vous bloque. Partez toujours. Au lieu de mettre un peu d'argent, tu vas acheter même la maison là-bas en France. Là-bas en Allemagne même. Te voilà. Parfois, nos parents nous font porter leur charge. Merci beaucoup, Anthony. Je me suis déchargée. Ce n'est pas mon rôle de corriger les enfants de mon père. Ce n'est pas mon rôle de porter les enfants de mon père financièrement. I am so sorry, but I will not do that. Ma fille a 14 ans aujourd'hui. Je ne suis jamais restée comme ça. Quelqu'un a dit que, à part le père de ma fille, elle a même mangé. Voilà même 200 000, 500 000 pour l'enfant.
Même, c'est à peine si on appelle même pour demander comment elle va. Voilà les vacances. Qui a demandé ce que mon enfant fait? Vous parlez de quoi? On parle de spiritualité, c'est vrai, mais ce qui bloque beaucoup les gens spirituels, ce sont les émotions. On vous bloque beaucoup. Ce n'est pas facile quoi, Queen Chaza? Ce n'est pas facile quoi? Ce n'est pas facile quoi? Merci, voyance. Chama Sima, tu dis que ta mère veut te voir sans rien. Elle préfère que tu n'aies rien. Tu fais plaisir à tout le monde. Voilà, Victor a dit qu'elle avait arrêté, ça fait quelques années. Sa mère s'est fâchée. Vous savez, le fait de chercher toute la validation paternelle, ça fait que je me retrouve dans des relations où je voulais faire plaisir à la personne. C'est pour ça que vous devez prendre beaucoup de temps. Faites-vous plaisir. Même mes enfants ne me mettent pas la pression. As my child, you do not pressure me. Tu es mon enfant, je t'aime, je t'ai porté. Tu ne me mettras pas de pression. Les enfants que mon père a, c'est avec plusieurs femmes. J'aime la Vierge Marie. Je ne suis pas catholique. Je l'aime, c'est tout. Hmm? Parfois, je mets ça sur mon cou. J'ai un autre collier là pour les musulmans qu'on m'a donné. Je mets tout sur moi. Mon père a plusieurs enfants. Et je suis la première de tous ses enfants. Merci, Franck. Souvent, il me met là comme ça. Imagine une jeune fille de 22 ans. Ton père te dit, oh, c'est toi qui vas t'occuper de tes petits frères. Papa, je ne travaille même pas encore. Je n'ai même pas encore. Car. Hein? Je ne suis pas encore stable quelque part. Psychologiquement, ça te détruit. Le temps que j'ai passé en Europe et que mes choses ne réussissaient pas. Bonjour, les gars. J'étais bloqué pendant 13 ans en Europe. Dans 3 pays différents. Parce que le peu que j'avais, j'envoyais pour ma famille. J'ai un peu, ouais, même si c'est 30 000. Je m'occupe de la mère de mes oncles. Ma grand-mère. Je m'occupe de la mère de mes oncles. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Yeshua, bonjour. C'est votre mère. C'est ma grand-mère. Vous avez grandi. Vous êtes père de famille. C'est moi qui m'occupe d'elle. Ou de lui. Gars. Je me rappelle, c'est en 2021 que je me libère de ça. J'avais reçu certains de mes frères chez moi. Ils ont fait des conneries. Et j'avais passé au moins 5 ans à parler. Oh, ne faites plus. Ouais, ne faites plus, fais comme ça. Tu conseilles, va à l'école, obtiens ton bac, non? Et qui est? Je me rappelle distinctement la période où je me suis déchargée de mes 3 frères. Pour moi, quand un enfant dépasse à l'âge de 5 ans, il est grand. Mon numéro est dans là-bas, quelque part. Je dis, mais attends un peu, c'est quoi ça?
Un de mes frères, il est arrivé chez moi. Il avait déjà 17 ans à l'époque. Il a commis une bêtise. C'était même pas une bêtise, il m'a menti. Il a pris ma chose, il l'a utilisée. Ça m'a fait mal. Il dit que ça fait 3 jours que je t'ai parlé. Je t'ai raconté mon histoire. Je t'ai dit de faire attention. 3 jours plus tard, tu me trahis à ce point, tu me mens. Si le mais si je n'avais pas des autres personnes interposées qui ont témoigné qu'il a fait ça, il est venu, il a fait comme s'il n'avait pas fait. Je lui ai dit que c'était bon. Je cache lui que c'était bon. Donc je ne suis pas comme papa. Je ne suis pas comme papa. Papa tolère, je ne tolère pas. Papa tolère, je ne tolère pas. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté de te porter. Tu viens chez moi à la rentrée et dis, bon, on va faire comment pour lui. L'année qui suit. Ok, on va faire comment on va faire. Même après, il va partir. Et qui est. À tout de rôle, j'ai fait ça avec eux. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Bédola, si elle ne veut plus aider pendant un temps, elle laisse là une aide de plus. Il y a des gens ici là que vous êtes des blessés de guerre. Vous êtes vidés. On porte. L'année passée, j'ai eu un de mes petits là. Un de mes fils spirituels. Il vient de se marier. Son beau-père porte 5 enfants, il envoie chez lui en vacances. Tu prépares la rentrée scolaire des enfants là comment? Tu étais d'abord seul à la maison avec ton enfant. L'enfant, c'est le lait de l'enfant, non? Tu te retrouves en train de nourrir, au lieu de 2 bouches, toi et ta femme, tu es en train de nourrir 7 bouches. Un jeune couple. C'est abusé quand même. Et quand il envoie, comment c'est même pas qu'il envoie avec la nourriture, que bon, voilà, ils sont venus du village, voilà même le sac de maïs. Qu'on peut écraser ça, on fait seulement la sauce pour faire le couscous avec. Non. On a fait nos relations sont devenues déséquilibrées. Normalement, quand tu te maries, on porte même encore, on ajoute que partez, on sait que. Tu vois, quelqu'un vient même de dépenser sa cérémonie de mariage. La femme vient d'accoucher, ça fait 2 semaines. Il a dépensé à l'hôpital. Hein? Que non, ok, venez pour voir l'enfant. Fait 2 semaines avec tonton. Non. Arrêtez. C'est comme ça qu'il y a des mariages qui se sont gâtés. Parce que le jeune couple n'a pas pu supporter la pression familiale. Pression familiale. La mère vient quand elle rentre. Si tu ne lui donnes pas 25 000. Si ton salaire c'est 80 000. Ta belle-mère vient passer 2 semaines chez toi. En rentrant, tu donnes 25 000. Tu vas t'en sortir comment, papa? Hein? Oh. Oh. Elle dit que recevoir beaucoup d'enfants chez toi, très souvent ce qu'on dit c'est que recevoir beaucoup d'enfants chez toi, c'est les bénédictions. Ça c'est le ré. C'est le ré. C'est l'escroquerie. C'est le ré, ma chérie. Chez nous, les Camerounais, on dit que c'est le ré. Ça, on va t'escroquer. Non, Dieu va vous bénir. Le monchon. C'est ça, le monchon. Dans ma bio, il y a le lien pour me contacter. Vous pouvez prendre les produits. Oui. Mince. La femme rentre, elle est fatiguée. Une jeune fille qui n'a jamais eu d'enfant.
Elle a son premier enfant. Peut-être qu'elle était habituée qu'elle faisait son vernis avant comme ça là. Maintenant là, voilà, elle accouche l'enfant. Vous la laissez comme ça là. Même pour préparer pour les enfants que vous avez envoyés, c'est pas évident. Au lieu que la mère vienne me rester avec, avec un mois pour l'aider. Tu rentres, ta femme est fatiguée. L'enfant l'a fatiguée. Si on a fait la césarienne, la blessure fait mal. Il y a encore même les enfants qui l'a dérangé, ils couraient partout dans la journée. Et qui est... Oh. C'est ça qui gâte vos couples. Ça gâte. Tu vois, en l'espace de 3 mois, tu as fait la layette. La fille a accouché à tes frais. Tu as dû arranger ta maison pour qu'elle aménage chez toi à tes frais. Tes frères et soeurs n'ont pas donné. Hein. La famille de ta femme aussi maintenant. Quelque temps avant qu'elle accouche, on dit que bon, venez faire le toqué-porte à tes frais. Gars. Gars. Beaucoup de vos mariages n'ont pas donné à cause de ça. Il n'y a pas le temps pour s'aimer. Il est dehors comme ça, là, il stresse. En sortant même le matin comme ça, là, il voit le nombre d'enfants qu'il doit nourrir. Hier, ça a 2 mois, il était seul. Un bachelor. Tu as reçu beaucoup d'enfants, ben. Quand ils ont senti bien, ils t'ont ignoré. Mamie, c'était toi, non? Et non, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. C'est pour ça que vous voyez mal ceux qui disent que non, il n'y a pas la place chez moi. Quand on refuse, c'est un problème. Aujourd'hui, tu payes le prix. Quand ils t'ont abandonné et l'ingratitude dans tout ça. Quand tu aides quelqu'un, aide de ton abondance. Oh, Shakaria Basoso Parandaria Sate. Aide de ton abondance. Je me sens bien, virgule. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, virgule. J'aide sans attendre quelque chose de retour, point. Je me sens bien, virgule. Ce genre d'homme, quand il sort pour aller travailler, il stresse même au travail. Rien dans sa vie ne lui fait plaisir. C'est pour ça qu'il se retrouve dehors peut-être avec une petite. Trop de responsabilités soudainement. C'est beaucoup sur toi. Il s'en sort pas. Tu es en Europe, tu es le premier de la famille qui est parti. En cherchant le travail en Europe, ça ne va pas. Quand on monte la paye, €1 000, $2 000, $3 000, les charges, tout ça, tu te retrouves avec $400 à la fin du mois. Tu vas construire quoi? Parfois, vos nuits noires de l'âme, c'est votre corps qui vous parle. Parfois, l'esprit te montre que c'est le temps d'arrêter. Quelqu'un accouche ses enfants, il compte sur toi pour les gronder. Il dit à mon père que tu vas gronder tes enfants toi-même. Tu ne m'as pas grondé, j'ai dû grandir avant d'être sage seul. Je ne gronde personne, monsieur. Ah non, tu ne grondes personne. Les gens veulent toujours tout savoir sur ta vie. Que, oh, tu perds l'argent, mais tu achètes ici. Ce que j'achète ou que je mange, tu peux venir chez moi et pleurer l'argent. Hein. Je ne pleure même pas l'argent. Mais ce que je mange, toi, tu confirmes.
Me mets à l'aise. Pas les joues ici-là. Regarde. Les gens veulent que vous souffrez. Parce que vous devez les aider. Non, I'm enjoying. J'enjoy aussi. J'enjoy. Tu manges bien. Tu tombes les petites chaussures là. Avec un short. Hein, monsieur prophète. Tu portes ta petite culotte là. Oui. Tu achètes l'habit qui a la marque aussi, tu mets sur toi, non? Viens pas cher. Ça fait mal lorsque quelqu'un que tu as aidé oublie tes bienfaits. Ceux qui me suivent depuis un bout savent que je dis toujours, on n'aide pas parce qu'on attend que quelqu'un dise merci. C'est que l'ennemi, le diable va jouer avec tes sentiments. Le diable va jouer sur ton mental. Il va même choisir celui que tu as aidé là. C'est lui qui va... C'est celui que tu as aidé là qui va même se tourner contre toi. Tu confirmes. Que yeah! On t'a parlé, tu n'as pas écouté. C'est pour ça que c'est facile pour moi de laisser. Si quelqu'un me doit quelque chose, c'est facile pour moi de laisser. Quand j'ai aidé, ce n'était pas parce que j'attendais. J'ai une connaissance qui avait été assez désagréable avec moi. Elle m'a recontacté récemment. Je suis souffrant et tout ça là. Quand moi j'étais souffrant, elle était dit, tu as... Ok. Ouais, prête-moi l'argent. Il dit que je ne prête pas. J'ai vu la somme, j'ai divisé, j'ai donné, j'ai dit que je te donne. Je ne veux pas avoir d'attache émotionnelle avec toi. Oh, il me doit encore 20 000. Oh, il me doit 70 000. Non. C'était mon cadeau. Farewell. Farewell. Si tu passes sur mon statut par erreur, ne fuis pas. Tu sais que c'est embarrassant quand toi-même, quand quelqu'un te doit. Parce que tu cherches même la stratégie que tu vas venir pour lui demander ton argent. C'est embarrassant pour vous deux. Ce n'est pas embarrassant seulement pour celui qui te doit de l'argent. Aller demander son argent à quelqu'un, c'est comme si tu le suppliais. Et moi, je n'aime pas supplier les gens. I don't like it. Je n'aime pas supplier. On ne nourrit pas tous les chiens, ma chérie. Avant de nourrir, même tu cherches l'endroit où on nourrit les chiens à distance. Tu pars là-bas, tu donnes l'argent, ils prennent, ils nourrissent les chiens, tu regardes. Soyez sage. Il y a que tu ne demandes pas, il ne te remet pas ta dette. Mais oui, oui, oui. Fais tout sans que tu ne demandes. Ça, c'est rare. Soyez sage. Parfois, vous dissipez beaucoup votre énergie. Est-ce que vous savez que le fait de penser seulement à quelqu'un? Ouais, donne-moi mon argent. Ouais, donne-moi mon argent. Tu demandes ton argent lundi pour la 7e fois. Il te dit que c'est dimanche soir qu'on va te donner ton argent. Ah. Je demande à l'argent lundi, tu me dis que tu me remets dans 7 jours. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
Tout c'est question de volonté. Si ta personne voulait te donner, la personne trouverait le moyen de te donner. L'argent, c'est une énergie. C'est pour ça que je n'aime pas vraiment, je n'aime pas trop avoir des liens avec les gens, financiers surtout. Tu as failli mourir, tu avais prêté ton argent à quelqu'un, remboursé, est devenu un problème. Et il demande que tu veux faire quoi avec avant qu'il te donne. Mais oui, Rive, je crois que tu es un habitué. Tu prêtes souvent ton argent aux gens. Et bien quand tu donnes ta voiture à quelqu'un, non? Tu donnes la voiture, tu n'es pas dans le pays. Tu reviens au pays, tu veux prendre ta voiture. Tu demandes le premier jour, il ne donne pas. Deuxième jour, il ne donne pas. Après, c'est maintenant genre, ok. C'est comme si que tu dises que tu vas faire avec ta voiture avant qu'il te donne. Tu as quelqu'un qui te doit plus de 1000 euros. Chaque fois que je veux un peu, cham là-bas, il me donne un peu, un peu. Hey, non. L'énergie que ça demande, tu demandes, il te donne 50 euros. Après, il donne 30 euros. Là, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur même. C'est pour ça que je ne veux plus penser à toi. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Papa. Je ne porte pas le fardeau de mes frères. Souvent, tu renvoies peut-être ta soeur. Tu lui dis où ton frère. Bon, tu payes l'école, première fois. Il part à l'école, après il arrête. Il part fréquenter, hein. Après il arrête. Maman, il reste 600 euros. Si tu savais l'énergie que tu payes pour aller demander 600 euros, s'il te donne 600 euros en 6 fois. Parce qu'on n'avait pas compris l'affaire d'énergie. L'énergie. Il y a les gens hein, que quand tu donnais tes 1000 euros, tu étais dans la vibration de 1000 euros. Maintenant, tu es dans la vibration de 5000 euros. Tu rentres demander 600 euros à lui 6 fois. Non, je valorise beaucoup mon temps. Hein. Beaucoup. Même les soins. Je valorise mon temps. Je ne veux pas te voir physiquement. Reste là-bas. Le fait de parler à quelqu'un, tu sais combien d'énergie ça te prend? Tu prends ton frère, tu lui payes l'école. Il abandonne en deuxième année. 2 ans plus tard, il est au quartier, il a fait à 2 enfants. Tu dis, bon, il faut qu'on voit, on te met dans une formation professionnelle. Tu le mets, il fait 6 mois, sur ces 1 an-là. Il arrête. Après, tu dis encore que bon, il faut qu'on te fasse venir ici en Allemagne. Tu le prends, ou tu la prends, tu fais le papier. Bam, bam, bam. Au vu des 2 autres, tu ne devais pas faire ces papiers. Tu ne devais pas faire ces papiers. Tu bouscules, ça te prend de l'argent. La personne arrive là-bas. Hop. Elle tombe peut-être même que dans la cigarette. Ou bien derrière un homme là-bas. Après, elle perd ses papiers. Toi qui dois encore dépenser 8000 euros pour qu'elle ait les papiers. Tu es bête. Tu as suivi. Tu es bête. Voilà, ton petit frère, toi, vous avez des problèmes à cause de l'arrêt. Il y a des jeunes hommes qui vivent aux dépens du salaire que leur soeur leur donne. Oui. Tu es la soeur, tu arrêtes de l'aider. Il voit qu'il ne peut plus s'occuper de ses go, crâner devant ses go. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche. Parce qu'il sait que tu vas encore se dire, oh ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de chantage émotionnel, arrête. Vous allez dire que je suis catégorique. Eh, pardon. Eh, pardon. J'ai une connaissance une fois, j'ai pris la personne. Je paie le billet. Je dis que bon, comme tu arrives dans tel pays, va là-bas, tu vas sur le terrain, tu fais les recherches, une étude de terrain, quoi, pour le business. On voit comment on peut étendre le business là dans ce pays-là.
La personne arrive, oh, je me sens pas bien. Oh, il dit que, ok. Tu es là-bas d'abord, tu es bloqué. Je te dis, ok, viens, va à tel endroit pour... Profite déjà, tu es entré dans l'avion, ton logement est payé, ta nourriture est payée. Prendre la moitié de ton temps pour aller faire ce qu'il te dit de faire, tu ne peux pas. Laisse. Laisse. Tu vois, la personne fait quelque chose de bien. Peut-être la personne coiffe bien. Dis, ok, lance tes vidéos. Montre les perruques aux gens. Comme ça, on achète les perruques. Tu vends sur ta page. Tu es là le fournisseur, j'achète rapidement. La personne poste sur les perruques une fois. La personne fait encore même 4 mois avant de poster. Et pourtant, tu vous as déjà entendu que chaque mois, tu donnes un salaire. La personne ne poste plus. Pourquoi? Parce que c'est ta soeur ou ton frère. Gars, non. Je t'envoie au champ. Et comme je te laisse là, tu ne vas pas avancer. Comme je te laisse là, tu ne comprendras pas la valeur. On n'aide pas tout le monde. On te voit, tu es là, tu bosses, tu bosses. Tu es au téléphone, tu es sur les vidéos, tu es ceci, tu es cela. La personne est là couchée, regarde la télé. Quand il vient jeter le coucher, il voit la télé. Une vision. Mais 14 heures, il demande que bon, on mange quoi? Il attend que tu achètes la nourriture chez Paul, vous mangez. Tu achètes, tu commandes une nourriture, on vient livrer. Même les hommes entrent à la cuisine, ils ne peuvent pas. Hein. Même les hommes entrent à la cuisine, ils ne peuvent pas. Hein. Donc, si vous voulez être bête, seulement bête, 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 là, c'est tant mieux pour vous. Fonctionne par le chantage émotionnel. Merci Koulibaly, je suis encore plus belle quand je souris, merci. La personne reste avec toi, il voit comment tu fonctionnes. Il voit l'énergie, comment tu bosses. Tu restes 500 000 entrées, 2 millions. Oui, tu bosses. Non, on doit finir le projet si tu dois une heure. Tu viens peut-être d'arriver en Bengue, tu vis chez moi temporairement, mais tu dois te chercher. Ton voyage m'a coûté 5 000 $. Comme tu es arrivé là, tu mets au travail, tu travailles, tu me rembourses progressivement. Il faut aller même aiguiser son truc. Tu mets dans le ventre pour la femme pour qu'il mette le sperme et ils font les enfants. Comme tu veux tout faire pour lui là. Pourquoi tu ne vas pas l'aider à faire les enfants? L'indépendance est cruciale. Les gens vont sans cesse vouloir abuser de vous. On sait qu'elle est gentille. Et ne testez pas, ne mesurez pas votre gentillesse avec ce que eux ils vous disent. Souvent, mes enfants veulent me faire ça. Là, j'étais au téléphone à l'une de mes filles l'autre jour. Elle a fait 4 jours. Le jour où elle me contacte, c'est parce qu'elle a quelque chose le soir qu'elle va faire avec ses amis. Je ne sais même pas trop ce qu'elle veut faire. Il dit, oh, j'étais au téléphone et voyager le même jour, c'est le lendemain que j'ai voyagé. Tu mets le téléphone, tu ne me contactes pas. Et le jour où tu me contactes, c'est parce que I'm not a bad mother. Je suis une bonne mère. Oui, cooking, oui. J'ai côtoyé, j'ai des amis marocains, algériens aussi. Ouais, c'est beaucoup dans la culture là-bas.
Et ces personnes vont vous donner beaucoup d'accolades, beaucoup de louanges quand vous faites ce qu'ils veulent. Oh, tu es la meilleure des mères. Tu es la meilleure des sœurs. Sans son approbation, tu es toujours une bonne mère. Sans son beau, tu es toujours une bonne petite fille. Oui. Hé, hey, sister. Maman, tu es une bonne sœur. Non. Les belles sœurs, nous n'en parlons plus. La façade que les belles sœurs mettent. Hé, hey, ma BS. Belle sœur. Personne ou toute chose qui veut que tu prennes ton butin que tu aurais pu économiser pour lui donner ou pour leur donner, ils ne veulent pas ton bien. Ils ne veulent pas ton bien. Pourquoi je dois sortir pour donner à ta cause, pour guérir telle personne, pour faire tel truc? Vous organisez un point, un truc, oh, on va faire l'anniversaire surprise de 200 000 à notre grand-mère. Vous me mettez dedans, pourquoi? Hein? Why? Si on a dit que le forfait, c'est vous faites vos projets fantaisistes et vous venez me mettre dedans que je paye pour ça. Soyez sage. Be very wise. Soyez sage. Est-ce qu'on peut bénir son chapelet soi-même? Ce serait l'idéal de faire bénir par un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Les objets que vous achetez, c'est dans les kits chez moi, c'est déjà béni. L'idéal, c'est de faire bénir par un homme de Dieu. La lucidité, même les employés. Oh my God. Oh my God. Les employés. Oh my God. Oh my God. Le père de mes enfants est resté avec mes 650 000 en disant que le pain et l'eau qu'il a gardé aux enfants, c'était... Mais quitte, ça commence à 70 000 au Cameroun. Et il y a le... Je vais travailler sur les gens tout à l'heure, là. Les lavages à distance. Bon, on peut encore lancer la promo 25 000 pour quelques heures. Si vous suivez ceci avant 18 heures, vous payez 25 000 pour le lavage. Normalement, c'est 50 000. Mais c'est parce que je vais travailler tout à l'heure, là. Tout à l'heure. Donc, il y a aussi le détachement. Si tu sens, normalement, tu as une situation qui est bloquée. Oui, détachement, c'est 30 000. Pour votre mariage, si tu veux trouver un l'âme sœur, demande le lavage, mariage, c'est 15 000. Si tu es marié, on peut restaurer votre relation, arranger à 30 000 francs. Tu convertis en dollars canadiens, tu envoies au Cameroun. Le numéro dans ma bio, vous allez sur ma bio, il y a un lien. Dans ma bio. Vous cliquez dessus, vous allez sur contacter nous. Ça va vous envoyer dans notre WhatsApp. Le code pour couper les liens avec d'autres personnes, les liens maléfiques. Lavage beauté. C'était à 15 000, j'ai monté maintenant à 25 000. Lavage beauté. Si vous voulez vous le marier, 15 000. Si vous êtes deux, vous allez vous marier. Faites le lavage mariage. Et si c'est vraiment la cérémonie de mariage, il faut faire plus. Il faut qu'on travaille pour protéger le mariage. Bon, en RDC en dollars, 25 000 en dollars, c'est combien? On tourne dans les 42 dollars. 42, 43 dollars américains. En dollars canadiens, ce serait un peu plus élevé. Parce que le dollar canadien est plus élevé. Bon, on convertit quoi. Donc, 42 dollars américains, c'est peut-être 52 dollars canadiens.
En euros, on tourne dans les 35 euros. 35 euros pour le lavage. Avant 18h, donc vous avez 2 heures de temps. Après ça, non. Pour les deux, ça fait 30 000, ça fait 45 euros pour le lavage de mariage. Oui. Lavage mariage, c'est 45 euros. Mais avec les frais, il faut absolument que je touche 30 000. Donc, ça peut jamais être 47 euros. Parce que les plateformes de conversion prennent un peu plus d'argent. Bonsoir, Rez Foster. Le numéro est là, 237-693-50-22-66. Vous envoyez votre photo. Je travaille à distance. Ne venez pas me voir physiquement, s'il vous plaît. Bon, je continue. Vous ne devez pas laisser les gens qui sont autour de vous faire du chantage. Maurice, tu convertis en euros. Ok, Rose. Tu vas sur la plateforme, tu payes. Le lien qui est dans ma bio, vous pouvez payer là-dessus. Hein. Ceux qui ont MTN au Cameroun. 42 dollars, c'est 25 000. Voilà. Il y a aussi les protections que vous pouvez demander. Protection. Donc, je disais, si vous allez vous marier tous les deux, tu dois faire une protection sur le mariage. Impératif. Tu écris, tu dis que tu veux le lavage de chance. Et tu prends aussi les produits. Quand on te lave comme ça, tu prends aussi les produits que tu utilises. Il y a d'autres que tu bois. Il y a d'autres que tu te wonges avec. D'autres que tu te laves avec. Ce sont les connaisseurs qui connaissent qui doivent travailler sur eux. Ceux qui attendent qu'on vienne les convaincre là. Depuis un an que tu me suis. Hey! Si depuis un an que tu me suis, tu n'as jamais acheté un de mes produits, n'achète pas, pardon. Abeg. Abeg. L'huile de blindage, c'est nécessaire. Avec le donne-moi tout. Mets sur la tête pour protéger la tête, la poitrine. Tu as une partie du corps qui fait mal, tu mets dessus. Ça alléant les mauvais rêves. Couche de nuit, vous demandez la poudre, libère-moi. La protection des deux. Protection des deux personnes qui vont se marier, tu enverras 60 000. Le lavage, c'est 30 000 pour les deux. Kit fondation coûte combien? Bon, si tu es en réunion, on va envoyer. On va te poster ça. Ça va passer par la France. Avant de, et celui qui est en France va poster. Oui. Donc, on a quelqu'un sur Paris. Je vous communiquerai le numéro de Paris lundi. On aura un numéro là-bas si vous voulez venir chercher les produits. Donc, il y aura quelqu'un qui pourra vous recevoir à Paris pour prendre les produits. Le kit fondation pour envoyer à la Réunion, je pense que quand c'est à Paris, on envoie encore. Donc, je pense que c'est 280 euros. Oui. Rive Kiki, tu dois travailler sur toi. Travaille sur toi. Tu peux demander une étude de détachement, un lavage pour enlever les mauvaises énergies sur toi. Bon. Maintenant, les attaches familiales, comme j'explique là, il y a le kit fondation qui va beaucoup vous aider. Beaucoup. Ceux qui ont déjà fait le kit fondation savent de quoi je parle. Le kit fondation, tu le fais tous les 3 mois, 4 mois. Je ne localise pas les gens de Genesis. Ta valeur ne vient pas de ces personnes. Deuxièmement, tu dois les laisser partir. Ah, tu as commandé le premier, il change la vie, j'ai mon deuxième qui va arriver. Donc tu as fait un kit, c'est fini, tu attends l'autre, c'est super. Quand tu vas regarder ta vie dans 6 mois, tu verras les changements. Il n'y a pas besoin de vous dire,
Je dois vous en parler pour que vous sachiez. Mais chacun doit savoir dans son cœur ce qu'il veut. Ah, Rodrigue. Rodrigue, c'est quel pays, mamie? Tu as fait le premier, octobre. Le deuxième, c'est... Oh, tu as trop duré. Tu as trop duré. Tu prends un produit, un paquet... tu prends un kit en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 8 mois, tu as trop tardé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués, vous ne savez pas. Et vous me suivez. Vous avez pris un de mes produits. Tu ne peux pas faire 1 mois sans que je me... Que ce soit le lavage, que ce soit la protection, que ce soit... Envoie pour qu'on travaille sur toi. C'est pour ça. Écoutez mes directs, ne fais pas peur au diable. Ah, elle veut écouter le direct. Écoute ma fille. Écoute ma fille. Écoute. Maintenant, quand tu dis, il faut que j'aille faire un don aux orphelins. Faut que j'achète un kit pour me laver. Faut que je fasse une offrande même. Il faut que c'est là que tu vas voir. Il y a les femmes qui ont reçu le kit. Ça arrive, la douane remet à renvoi. Ça arrive, le mari voit. Il finit l'envoi à la famille. Il jette. Donc tu as perdu ton argent. On te traite de sorcière, tu ne peux même plus récupérer ton argent. Qu'est-ce qu'il a jeté? Your brother, does your brother know me? Hein, chérie? Your brother is your brother's birthday is now. But if he sees me, who else will see me? Shout outs are good when the person will listen, isn't it? Happy birthday, Dixon. Happy birthday, Dixon. Happy birthday, Dixon. Happy birthday, dear Dixon. Happy birthday to you. How old are you now? I'm 8. I'm 8. How old are you now? I'm 8. Hello. How old are you now, Dixon? How old are you now? C'est bon. Voilà, tata, tu dis que ça t'est arrivé. Ton colis est arrivé. I can talk in private, yes. I do private calls. Ton colis est arrivé. Il s'est retourné. C'est là que tu as confirmé. My number, 237. I will give only to you. I've blocked other people's ears. They can't hear me. 237 plus 237 693 502266. Only you can hear me. Okay? Thank you. Now I will open the channel. They can hear me now. Hello. Hello, everybody. J'ai chanté pour l'enfant là parce que c'était l'enfant. Hein. La suivi. Parce que c'est l'enfant. Vas-y, demain les anniversaires des gens. Tout le monde va venir ici là. Oh, c'est mon anniversaire. Écrivez souvent, vous demandez que je vous fasse des vidéos pour vos anniversaires, vous mettez sur vos statuts. Je peux bien les faire, ça ne me dérange pas. Il ne faut pas être vilain, hein. Il faut avoir les beaux visages. Je blague. Quand tu commences au travail spirituel, les personnes qui font la voyance et tout ça, ils connaissent. Ils connaissent. L'ennemi résiste quand quelqu'un commence à travailler sur lui. Beaucoup. Beaucoup. Tu reçois tes produits, tu rentres, tu que tu vas faire. Ton cousin vient vivre chez toi le jour-là. Ça t'empêche de te lever tôt pour te laver. Ton mari rentre de voyage, alors qu'il était censé faire 3 mois de plus.
Du coup, tu ne peux plus faire. Tu dois cacher les produits. Et parfois, les gens disent qu'ils veulent changer, mais ils ne veulent pas. L'autre jour, ici à Libreville, une dame est venue. Elle me dit, wow, mon mari, oui, il a voyagé, mais il vit en France. Mais il est là, il est parti sur un de nos terrains là, qu'on construit dessus. Il revient dans 2 jours. Oui, vraiment, il y a une animosité entre nous, il me déteste. Il dit, paye, je travaille sur toi. Tu veux rentrer alors pour faire quoi? I do business, ok? Je fais du business. Je ne travaille pas pour quelqu'un, ça c'est mon boulot. Comme tu ne me voyais pas, Lise, là. Oui, lundi, je donnerai le numéro de la France, oui. Je bénis vos offrandes, que ça ne tombe pas dans des oreilles sourdes. Les prières que vous avez dites. Que le Dieu des armées réponde à vos inquiétudes, à vos questions. Ne venez pas essayer de discuter les prix de mes choses, s'il vous plaît. Ne venez pas marchander ma marchandise, s'il vous plaît. Je vois une personne en inbox ici, elle a demandé, on ne marchande pas. Donc, ceux qui ont les malédictions générationnelles, mes produits paraissent chers parce que c'est un traitement complet. Et je ne veux pas faire l'à peu près. C'est un traitement complet. Il y en a ici, là, vous avez eu vos visas, vous avez... Il y a ici, là, 2 ans, tu étais au Cameroun, maintenant tu es au Canada, maintenant tu es aux États-Unis. Et quand tu partais, tu avais dit que ce n'est que le début. Ce n'est pas parce que tu as le visa. On doit travailler encore, encore et encore. Maintenant, il y a d'autres qui optent pour la pauvreté. Oh, je n'ai pas. Tu restes au pays, tu t'assois là-bas, on reste, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas interdit. Yolande, c'est interdit de marchander. Comment? De discuter le prix. Tu parles à qui? Les followers. Hein? Ils connaissent pleurer le blanc. Après, tu vas la voir bâtir sortir l'argent pour aller acheter des cuvettes en bois de nuit. Elle va acheter des cuvettes en bois de nuit. Et les cuvettes, elles ne discutent pas. Quand elle arrive, tu dis, ok, tu portes ton blocage depuis combien de temps? Oui, ma mère avait ça. Ma grand-mère avait. Oui, libère-moi. Ok. En tout cas, voilà l'autre qui dit que je suis au chômage. Tu es au chômage, je ne travaille pas sur toi. Laisse les gens. Oh. Comme ça que vous faites. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous portez comme problème. Comment faire pour savoir qu'on a les malédictions générationnelles? Léo, à la base, tout le monde en a. Si tu n'es pas milliardaire, ok, et personne n'en se dirait des milliardaires, même si c'est la monnaie qui est plus petite que le CFA, tu n'es pas milliardaire. Donc ça veut dire que tout le monde a des blocages qu'il prend chez ses parents. Les familles ont toujours des choses. Bonsoir, Eugène. Les familles ont toujours des malédictions qui passent. Et parfois, quand tu as 14, 15 ans, tu dis, oh, dans notre famille, tu sais, les femmes ne font pas souvent. Les femmes ne se marient pas. Ou bien, ne restent pas dans le mariage. Ou bien, on a au moins une... Chaque femme doit perdre au moins un enfant. Ou bien... Tu entends? Tu passes. Plus tard, tu as 26 ans. 2 échecs de mariage. 2 fausses couches. Tu te rappelles. L'enfant que tu as accouché là, si tu n'enlèves pas, tu ne coupes pas ça, toi-même, tu vas lui passer ça. Dans 20 ans, ton enfant aura le même problème que tu as. Et beaucoup de vos souffrances vous sont passées. Écoutez, c'est la première partie. Étape 1. Passer tes malédictions à tes enfants. C'est naturel. Étape 1, passer ton blocage à ta fille.
ton petit-fils que tu as là, tu lui as passé les choses à travers son père. Hein. Et si tu ne fais rien, lui-même, il va grandir, il sera bloqué. Oui. Ton petit-fils va grandir, il sera bloqué. Et ce n'est pas tous les blocages qui se manifestent dans l'enfance. L'enfant grandit, il est beau. Il est intelligent. Vers un âge là, ça s'arrête. Il est vraiment bête à l'école. Une malédiction est venue le clamer. On est venu le réclamer. Quand les esprits réclament quelqu'un, tu montes ou tu descends. Ce sont des lois comme la pesanteur. Tu montes ou tu descends. Ça va agir. Voilà. Quand mon fils est mort, j'ai compris. Car lui-même, il me demandait toujours, « Maman, pourquoi mes choses sont dures comme pour toi? Et qu'est-ce que je dois faire pour briser ?» Maintenant, toi, quand tu en es consciente, ok, donc, j'ai des blocages qui viennent de ma mère. En ta séance, tu prends une consultation, on peut t'aider à détecter aussi. Sandra, mon numéro est dans la bio. Plus 237 6 93 50 22 66. Dans la bio, le numéro là finit par 80. 237 680 71 0701, ça finit par 01, sorry. Le lavage en euros, si vous payez avant 18h, donc avant, on a encore 1h30 de promotion. En euros, c'est moitié prix de 85 euros. Donc, on tourne dans 42,50 €. Merci pour le compliment. Ton amie enceinte, premièrement, d'abord la protection. Mes employés qui m'écoutent, est-ce qu'il y a un de mes employés qui est dans mon direct? Informez les autres. Je suis dans le direct, j'ai donné une promotion qui dure jusqu'à 18h. Le lavage, c'est moitié prix. Et si vous n'écoutez pas, vous tous dans l'entreprise, allez vous punir. Je suis en direct, vous n'écoutez pas pourquoi? Je suis souvent paresseux, votre corps pèse comme si. Vous n'êtes pas vif. Parfois, tu es même lourd comme ça, là, que tu as pris ça à ta main. Donc, tu t'assois, tu détectes d'abord. Tu détectes. Que, toutes mes soeurs, il y a une là dans leur famille, leur oncle avait pris leur intelligence. C'est après 8 mois de travail et 2 kits de lavage, offrande à l'eau, rituel de protection, que ton plus gros sorcier est parti. Il est quitté pour que tu vois tes vrais blocages. Même après 5 ans de travail, tu vois encore un autre truc. Vous avez les blocages, hein? Tu restes comme ça, là, on détecte un blocage, tu te dis que non, j'ai déjà vu ça, c'est le top de tous. C'est bon. Dans le rêve, la nuit, là, on te montre encore un autre blocage. Jusqu'on te dit, dans le rêve, on te dit que voilà ça. Voilà la raison pour laquelle les gens de ta famille sont bloqués. Tu dis, mais avant, il y a l'autre qui a quitté, non? Le blocage, c'est pas l'ami de quelqu'un, hein? La protection, c'est 30 000 francs. 30 000, c'est 46 euros. Tu dis les cancans blocage. Oui. Marraine, lavage, kit fondation et déblocage à combien pour la promo? J'ai fait la promo sur les lavages seulement, pas sur les kits. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué aussi sur les gens qui sont en anglais on dit oblivious. Ce n'est pas parce que tu dis à l'église tous les jours que tu retournes à l'envoyeur, c'est sans effet sur moi.
Ton bloqueur peut jeûner 3 jours pour te bloquer, chérie. Je n'insiste pas pour la protection, monsieur. Je ne fais pas couler le sang de quelqu'un. Il n'y a que les animaux. Ceux qui veulent envoyer l'argent pour le lavage, c'est moi qui dis le prix. Hein. Tu as dit 42,50 €, tu paies mes 42,50 €. Tu oublies 50 centimes, je ne te lave pas. Vous venez tel le sima avec moi. Vous venez discuter. Pourquoi tu en es tel sima? Et c'est 42 €, j'ai converti sur Google. J'ai dit 42,50 €. Tu ne veux pas payer ça, tu laisses. Je disais, depuis que tu es petite, ta mère dit non, dans notre famille, il n'y a que la prière. Ta mère est morte à 28 ans. Elle est morte à 42 ans. N'est-ce pas? Hein? Les déclarations de ta mère ont changé quoi? Dites-moi. Moi-même, mon autre bloqué à peine arrivé au pays et retourné après avoir appris. Toi alors. Après avoir appris pour l'autre, nous on se fatigue, mais pas eux. C'est vous qui pensez que vos bloqueurs. Une m'a dit que sa bloqueuse, elle a appelé 42 fois. 42 fois. Ouais, vous voulez lui dire que quoi? Et la période là est en train de faire un papier pour aller dans un pays là. 42 fois quelqu'un t'appelle en 2 jours. Et la période là, on te refuse le visa. 42 fois. Le lavage est valable pour le Gabon, non? Oui. Tu payes. Tu fais le dépôt sur Airtel. 074-18-0080. 074-18-0080. Bonsoir le Béninois, Saman. En 8 heures après, 074-18-0080. Rive, tu n'as pas bien écrit mon numéro. 074-18-0080. Double opération, 1 an. Et tu es là, tu dors. Tu dors. Tu bois le jus. N'est-ce pas? Parfois, tu es là comme ça, là, ta mère est partie. Et quand ça t'attaque, tu ne sais même pas. Envoyez tap tap 5 sur le numéro que je vais vous donner. Quand tu es prêt pour noter pour tap tap 5, je te dis. Tu m'invites à Côte d'Ivoire. Je suis installé en Côte d'Ivoire, monsieur ou madame. Je vis en Côte d'Ivoire, papa. Tu as suivi? Peut-être que tu penses que tu vas dire comme ça, il va sauter. Je suis installé, j'ai mon magasin à Abidjan. Quand tu veux prendre le numéro, il me dit. Ce magasin à Bellecôte. En face du groupe scolaire Les Petites Abeilles. Vous allez voir ma photo en grand là-bas. 237, ça c'est le tap tap scène. 237. Peu importe le pays où tu es, je travaille sur toi à distance. Si on ne t'a pas bloqué en présentiel, on peut te débloquer à distance. Le jour où on va peut-être te bloquer, est-ce qu'on t'a appelé que viens assister à ton blocage? Hein? Non, je ne peux pas rester, je ne peux pas manger, je vais à ma cérémonie de blocage. On t'a bloqué à distance, non? Soyez logique. Hein? Non, je voulais te voir. Depuis 1 an qu'elle te suit, je voulais te voir physiquement. Continuez. Tu dois pouvoir regarder ta vie. Si tu payes au Gabon avant 18 h, tu payes et tu envoies sur ce numéro à WhatsApp. 241. Prenez de quoi noter. 241.
74-18-0080. Vous envoyez là-dessus. Le nom, c'est Nyogem Joseline. Vous faites le dépôt dessus et vous envoyez la capture sur WhatsApp avec votre photo. Tu envoies seulement ta photo et ton nom. J'ai besoin que de ça pour travailler sur toi. C'est une fois, on paye 42,50. Tu voulais payer en plusieurs fois, mamie. J'ai dit qu'une promotion finit à 18h, tu veux payer en plusieurs fois, chérie. Comment vous faites aussi comme si vous n'êtes pas en bain, non? Quand on explique les choses en bain, vous savez vous-même qu'en bain, on ne vient pas expliquer à nouveau. Il dit moitié prix sur les lavages avant 18h. Tu viens me demander si on paye en deux fois ou en une fois, je ne sais pas. Hein, mamie? Tu dois pouvoir regarder ta vie. Je te dis non. Il y a des choses qui tournent pas rond. Les tirages, je ne les fais pas pour le moment. Je vais reprendre dans deux jours. Il y a des gens qui attendent depuis peut-être une semaine et demie, deux semaines. Une semaine et demie, je dirais. Mon numéro pour Tap Tap Sen, c'est le 237-635-31-07-50. Tu dois savoir ressentir. Quand tu es un peu fatigué comme ça, là, les attaques ne blaguent pas. Hein? C'est pour ça que quand tu commences en spiritualité, que ok, je dois faire ça pour me nettoyer. Tu as tes bains que tu fais à la maison. Tu dois aussi avoir quelqu'un qui travaille sur toi. Tap Tap Sen. Et le nom dessus, c'est Abbé Solo Charles. Abbé Solo Charles Bronson. A-B-E-S-S-O-L-O. Charles. Si tu as Abidjan, tu appelles au numéro suivant 0779-0252-05. Prenez de quoi noter. Donc Abidjan 0779-0252-05. Vous devez être vigilant. Et c'est que vous attendez toujours que quelqu'un vienne. Beaucoup d'hommes qui attendent que c'est leur mère qui travaille pour eux. Et c'est que ma mère va travailler sur moi. Il y a le lavage pour les poches. J'avais fait un lavage pour examen. À tout moment, si vous voulez laver vos enfants, vous les lavez. Hein. Le lavage rentre, je l'ai fait généralement la dernière semaine d'août. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre aussi longtemps.
Et le PayPal, c'est Aurélie Michel, AURELIEMICHELLE 2017@gmail.com. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Je vous ai parlé des abonnements VIP. Il y a les VIP de 500 euros pour 1000 euros et pour 1500 euros le mois. Oui. Croyez-moi, il y a des gens qui paient 1500 euros le mois ou 2000 euros, oui. Même plus. En fonction de ce que tu fais, en fonction de tes activités. Il y a des gens sur qui on travaille tous les 4 jours, il faut travailler. Tous les 5 jours, il faut travailler. Parce que les attaques aussi sont énormes. Donc, mon problème, vous savez, c'est que je dois venir d'abord vous éduquer sur l'importance de travailler sur vous. Mais il y a des personnes que c'est dans leur culture. Depuis qu'il est petit, il le fait. Quand il a un business qui arrive, une signature dans 2-3 jours, un rendez-vous important, il s'assure que comme je pars au rendez-vous, là, les chances seront de mon côté. Ce ne sont que les simpletons dont les parents disaient que n'a prêt à. Que tu dois passer, tu as le visa que tu dois aller composer. On doit t'interviewer pour le visa dans 4 jours. Tu es là comme ça, là. Tu es au bar, tu bois. Tu ne gênes pas, tu ne fais rien. Tu es au bar, n'est-ce pas? Continuez d'être simple et bête. C'est un choix que je ne peux vous empêcher. C'est un luxe que je ne peux vous empêcher. Là, tu es en train de coucher avec la go. Le lendemain, tu pars à l'ambassade. Emmanuel, elle a écrit Ngenda Prayer. C'est ce que vos mères et vos grands-mères vous ont fait quand vous grandissiez, non? Regarde ta vie. Tu es tombé sur mes vidéos, ça fait 2 ans. C'est depuis 2 ans que tu m'envoies tes choses sont en train de se différencier de ta mère. C'est comme si ta mère t'avait m'attaché. Est-ce que vous savez que tu as les endroits où tu dois partir en travail, toi, ta mère même ne connaît pas? Ça, c'est un autre farce qu'elle devait vous dire. En 2 jours, j'ai reçu 2 femmes ici à Libreville. Une dit, oh, ma mère m'avait dit quand j'étais plus jeune que voilà, que je suis une sirène des eaux, voilà. Elle m'amène quelque part pour qu'on me fasse, qu'on travaille sur moi. La veille, je rêve, je vois comment ma mère prend, ma mère prend mon souhait, prend mon truc. Sa mère, elle avait 7 heures pour prendre ses chances. Sa propre mère biologique, s'il vous plaît. Je t'ai fait le mariage, le lavage de mariage, mais le monsieur ne veut pas de toi. Si le monsieur ne s'est jamais engagé avec toi, je vous ai déjà dit, donc ne venez pas seulement demander mes lavages de mariage comme ça. Si l'homme t'a toujours rejeté, je ne fais pas le contrôle des gens. Je refuse, je pourrais, mais je refuse. C'est possible, mais ça dure un temps. Il y a trop de choses pour conserver ça. Je ne ferai même pas. Mais si l'homme s'est engagé à toi, il était activement avec toi. Quelqu'un est venu s'initier, il a gâté. Là, je suis comme l'avocat. Là, parce que vous connaissez les femmes, si je vous connais. Voir le mari, quelqu'un dit que c'est lui que je veux. Elle dit qu'elle s'est réveillée du rêve là. Le lendemain qu'elle devait partir à l'endroit avec sa mère, elle arrive. Elle était vigilante, elle était plus vigilante que d'habitude. Elle voit comment le monsieur là prend le seau. Après, il a changé un endroit, il a swappé. C'est comme ça qu'elle a utilisé, après il a donné à sa mère, un truc comme ça là. Elle a dit que je ne veux plus faire maman. Sa mère s'est fâchée. Sa mère s'est fâchée. Ce n'est pas tout ce que tu fais que ta mère doit connaître. Mais vous dis-moi. Certains des mères là, on les a attachés pour vous attacher. Certains de vos mères, on les a attachés pour vous attacher facilement. Et tu es là. Maman, 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 tu envoies ta mère chez moi prendre tes traitements. Tu envoies ta mère chez moi prendre tes kits pour t'envoyer. Sois toujours bête.
Tuk-tua. What tuk-tua? C'est ma mère. Depuis que tu es en Europe, tu souffrais là-bas, tu n'arrivais même pas à avoir tes papiers. Ta mère t'a aidé pour... Elle t'a pas aidé pourquoi? Hein? Si tu es encore étranger dans ton ventre, prends le kit des envoûtements, ça va t'aider. Il y a vraiment beaucoup de produits là-dedans qui vont aider à nettoyer le ventre. Maman, c'est ma mère, non? Souvent, vous m'énervez. Eh, Seigneur. Quand une personne vient devant moi comme ça, il paye pour tout le monde là que je ne connais même pas. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça? Je suis à Libreville, mais mon pays n'importe pas. Chris Adams, on t'a toujours dit que prière, prière. Seulement la prière. Te voilà aujourd'hui, ni devant ni derrière, c'est bien ça. Si tu as fait ton transfert, envoie ta photo. Le visage seulement. Je vais utiliser ça pour travailler. Blaguer. Blaguer. Parfois, tu ne comprends pas que c'est parce que ton état était trop forte. Ta mère vous a donné la même éducation. Tes quatre petits frères sont là-bas. Leur vie n'avance même pas que quiconque. Comme ça. C'est la grâce de Dieu qui t'a même permis que tu échappes, tu te retrouves en Europe. Tous ces autres enfants là-bas bloqués. Tu es là, tu dis que tu vas les sauver. Hein? Va te noyer avec eux. Vous blaguez, non? Une mère reste comme ça, là. Dans ta jeunesse, ton mari se gâte. Tu es tombé enceinte, elle te fait avorter. Tu vas là où tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tout ça, c'est que ta mère. Tout ça, c'est que ta mère. Maman Tsu. Tu as un peu de lumière dans ta vie. Tu vois, moi, tes choses avancent un peu. Il y a une, elle est venue de Belgique me voir. Maman, le visage de sa mère. Madonna Mia. Son visage, c'était que le voile sur ça. C'était combiné avec la laideur, mais c'était, il y avait un esprit derrière. Marina Oye, il faut payer. Quand je serai à Abidjan, tu viens me voir. Mais je préfère que tu prennes plutôt un kit. Ok? Prends un kit des envoûtements, tu commences. Tu informes ta mère. Mais attends, ça c'est les clichés des matières. C'est les clichés des mamans là-bas. Tu dis à ta mère, pas dis à tout le monde. Ta tante qui te bloquait la source de tes problèmes là. C'est à ta mère qui prend tes informations. C'est à ta mère. Je travaille sur elle depuis un an. Tu vois comment ces choses sont un peu... Ça va déjà. Pardon. Elle commence à venir. C'est déjà les filles qui étaient moumou. Un homme vient comme ça, il prend sa chance, il prend son argent, il part. Je dis, tu es venu ici avec ta mère pourquoi? Tu es venu ici avec ta mère pourquoi? Elle demande, maman, viens, on te lave, fais ton lavage, non? Sa mère me regarde. Je reviendrai. Il dit à sa mère, cache que je ne lave pas devant les gens. Donc va te laisser là-bas au salon, te ferme là-bas dedans. On vous dit, Yango ne connaît pas la destination. Tu rentres comme ça, tu vas te coucher encore la nuit, elle va bien ouvrir les portes pour qu'on vienne te bloquer. Continuez, c'est votre choix, non? Est-ce qu'il faut, c'est toi, c'était ton choix. Va, on te bloque en paix. Tu nous laisses tranquille. Elle veut t'amener chez toutes ses soeurs. On a préparé pour toi. Viens voir, non? Viens manger. Du coup, que tu. On te met un truc, esprit de rejet là. Tu manges ça bien, mais quand tu rôtes, tu peux même pisser dans leur toilette avant de rentrer. Je t'ai conseillé de prendre le kit fondation, mais avec quoi encore? Prends le kit fondation, tu prends un rituel de un lavage et un détachement. Tu ajoutes toujours des rituels quand vous prenez les produits physiques.
le biscuit fourré qu'on a donné à Hector. C'était Hervé qui a pris mon biscuit fourré. Très attention. Vos parents sont le portail à leurs frères et sœurs. Et croyez-moi, depuis que vous êtes petite, votre tante là, la grande de ton père là, elle connaît ton étoile. Elle connaît ce que tu portes. Ta compagne et toi, c'est compliqué. Viens qu'elle fait le lavage mariage, papa. Le numéro, prends le numéro d'Abidjan, tu appelles, ils vont te dire quoi faire soirée, ok? 225 07 79 02 52 05. Pourquoi quand je donne le numéro, vous ne prenez pas? Vous venez encore? Je suis au Burkina avant la fin de la semaine. Je viens à Ouagadougou. Je serai à Ouaga. Tu blagues. Ce n'est même pas tout le monde qui doit venir vivre chez toi. Tout le monde n'a pas le droit de venir s'installer jusqu'à vivre dans ta maison. Parce que quelqu'un est chez toi, il a accès. On peut l'appeler, on demande que sa chambre est comment. Et qui la visite. Ah. Lavage de déblocage, c'est en promotion jusqu'à... Si tu payes avant 18h, tu payes 25 000 au lieu de 50 000. Lavage au mariage, c'est 15 000 par personne. Je reviendrai au Bénin, je reviendrai. J'étais venu, mais ce n'était pas pour voir les gens. J'ai visité le Bénin. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779. J'ai donné le numéro que toi, tu n'as pas noté. J'ai donné le numéro. Je le redonne. 0779 02 52 05. Ils veulent tout faire pour vous ralentir. Et vous avez dit que la famille, c'est un grand frein. C'est un boulet. C'est à vous d'être sage. La consultation, prends mes produits d'abord. Je ne consulte pas immédiatement. Tu arrives, tu commences. Je veux les gens sur lesquels je travaille sur des mois. Tu vas vivre la consultation, tu vas partir. Je ne veux pas. Viens, tu prends les produits, tu commences. Après peut-être un mois de travail. Là, je vais te parler pour voir à quel niveau tu en es, ce que tu as. Mais mes produits, initialement, d'abord, ça nettoie ton énergie. Le kit fondation que je demande d'acheter, c'est pour enlever les malédictions familiales. Automatiquement, ça le fait. Ceux qui ont déjà pris savent de quoi je parle. Voilà. Ok, que votre esprit soit éveillé, que votre esprit soit vif. Tu veux comme, pour moi, je veux comme monsieur, il ne veut pas de moi. Et tu veux que je fasse quoi? Quelqu'un ne te veut pas, tu pars, tu veux quoi? C'est vous qui faites pour qu'on manipule les gens ici dehors. Le kit commence à 70 000 au Cameroun. Ailleurs, c'est 100 et quelques. 110, 115, 120.
Le WhatsApp, c'est 237 693 50 22 66. Quelqu'un ne veut pas de toi, tu es des rêves, tu cherches quoi? Je sais qu'il y a les vagabondages sexuels, spirituels, pardon. Je sais qu'on fait des vagabondages spirituels. Ok? Vous venez ici, vous partez, vous venez, voilà, telle personne travaille sur moi. Après, s'il vous plaît. Choisissez un endroit où vous restez là-bas. Je sais que la fidélité n'est pas un truc que vous connaissez. Si ce n'est pas moi, vous voyez la femme si elle veut les problèmes. Je vais te bloquer. Elle demande à quoi le numéro de la Côte d'Ivoire. Mamie, je bloque les gens. Hein. Sur le téléphone, bien sûr. Je débloque la vie des gens, mais je bloque les gens qui me dérangent. Tu viens ici là, après tu disparais 4 mois, 6 mois. Tu deviens, ta vie est bloquée. Je wonder. Là, tu sais, je vais être honnête avec toi. Il y a un homme là qui avait travaillé 6 mois. Tu deviens encore ici, fais quoi? Je ne suis pas appelé, je suis appelé à enseigner. Et ce que je dis, ça aide à conscience, ça conscientise les gens pour qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler sur eux. Maintenant, mes prix sont le genre que je ne suis pas fait pour travailler sur tout le monde. Maintenant, si tu comprends l'importance du travail, quand tu pars maintenant chez le monsieur de ton quartier ou bien, c'est facile maintenant pour lui de faire son travail parce que tu comprends mieux. Oui. Prostitution spirituelle, tu as bien dit ça. Beaucoup suivent même les marabouts. Il y a une différence entre les guides spirituels et les marabouts. Hein. Le marabout, c'est celui qui va accepter que tu manipules l'esprit de quelqu'un pour qu'il t'épouse. Oui. Comment faire pour qu'il m'épouse? Comment faire pour qu'il se saisisse seulement à moi? Kit fondation. Kit fondation, c'est le kit qui libère les malédictions familiales. Kit déblocage, si tu as un visa que tu demandes, tu as une situation. Tu prends le kit déblocage. Kit visa aussi, ça fait la même chose. Kit désenvoûtement, après avoir fait le kit fondation, tu fais ça, ça libère pour le ventre. Les trucs qui bougent dans le ventre. Il y a le kit chocolat. Dame soirée, va dans ma bio. Tu cliques, il y a un lien là-bas. Ça va t'amener sur une plateforme avec des connexions. Contactez-nous. Achetez un kit. Prendre un rendez-vous. Clique sur contactez-nous. Ça va t'amener là-dedans. Tu ne veux pas, tu laisses. Quand ils te voient, ça veut dire que tu vas me donner un mot de tête. Je ne travaille pas sur les gens qui sont pas. Tu ne peux pas réfléchir. Je ne passe pas derrière moi. Prends le kit des envoûtements pour le fibrome dans le ventre. Ils ne savent pas faire la différence, bien sûr. Tu es une des rares personnes qui arrivent avec les noms spirituels là que tu n'es pas. Généralement, quand ils arrivent dans mon direct, ils ont un esprit tellement bizarre. Soit ils viennent t'insulter, soit ils viennent contredire ce que tu dis. Je dis, mais vous êtes sur TikTok aussi, non? Faites votre live. Faites ton live, les gens vont venir. Soit ils viennent mettre leur numéro de téléphone. Je me casse pendant une heure de temps, je fais la vidéo, je bavale, bavale, bavale. Pour que toi, tu viennes mettre ton nom dedans, ton numéro. Autant de choses. Bon. Ils viennent d'écrire ça, ils écrivent à mes abonnés. Donc, vous devez savoir. Apprenez à être privé sur vos choses. Parfois, quand tu as des problèmes de conception, c'est d'abord un problème générationnel. Problème de conception, ça a deux cas d'abord. Si peut-être tu n'as jamais conçu. Peut-être tu as conçu, l'enfant est parti plusieurs fois. J'ai une dame l'autre jour, elle a fait 3 fausses couches. Enfin, elle a accouché 3 fois, l'enfant est mort. Les enfants sont morts. Parfois, c'est le même enfant qui revient. Si ce genre de personne veut accoucher, ce ne sera pas le même traitement. Ça veut dire qu'il y a déjà une malédiction qui plane. Il y a un problème non résolu. Maintenant, si tu as déjà accouché, c'est parti. Mais si tu n'as pas encore, tu n'as jamais accouché, le traitement sera différent. Voilà.
Soyez sage. Be wise. Thank you, JBL. JBL. Tu as ouvert ton, tu as ton activité. Avant, tu étais dans les millions par mois. Soudainement, tes voitures se gâtent. La maison est vide. Tu vas vendre certaines, tu vends même ta télé, tu, ta maison se vide. Tu n'arrives plus à payer ton loyer. Marcelin, tu m'offres les cœurs, je fais quoi avec les cœurs? Ah, Kabama, je t'offre les cœurs, je fais quoi avec? Merci, je veux l'argent. Tu viens chaque jour avec tes compliments et c'est là tu me complimentes. Ah, Kabama, même si c'est 500, sors tes 500, tu me donnes. Qui tu l'as chuchoté, Marcelin? Oh, non, Kabama. Mais chaque jour, c'est là, je t'offre les cœurs. Takana? Tu me donnes les cœurs, tu me donnes les cœurs. Si tu as pu le finir avec le kit fondation, prends le kit des envoûtements maintenant. Prends le kit des envoûtements. Ok. Ça, aussi des personnes d'action. Votre problème, c'est que si on ne vous met pas la pression, vous ne faites pas. Je vous dis que pour vous bloquer, les gens sont prêts à vider leur caisse. Parce qu'on a dit que pour la bloquer, il faut un gros coq. Il faut que tu fasses tel truc. Tu parles, on va aller dans telle ville pour prendre l'eau de là-bas pour la bloquer avec. Il prend un week-end, il part là-bas. Il fait. Pour te débloquer, tu es là, tu dis, je vais faire. J'étais sûr depuis 2 ans. Je ne suis pas la seule qui fait ce que je fais en ligne. Trouve un endroit, commence un travail. Tant mieux pour vous. Si vous voulez boire le jus, buvez le jus. Tout autour de vous veut vous enterrer. Même nous qui soyons les gens là, on est plus attaqués que tout le monde. Quoi? Hein? Attends qu'elle reste un peu 2 jours. Tu ne peux pas me permettre de dormir sans me laver celle. Minimum. Hein? Quand on se met au travail sur vous là, même qu'on appelle seulement ton nom. Quand tu dis ok, l'unique, ou tu dis Shinki, On mérite l'argent qu'on vous demande. On mérite l'argent qu'on vous demande. Je vous dis. On mérite l'argent qu'on vous demande. Vous savez, il y a des gens qui font le faux de la voyance. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que si les esprits qui te back up là ne sont pas minces. Tu viens, tu prends l'image de quelqu'un, tu peux escroquer les gens avec. Parce que la personne est connue, tu escroques. Aïe, je ne sais pas comment vous faites pour tenir même chez vous. Hein. Tu veux faire un sacrifice pour débloquer ton mariage. Si tu veux faire ça, écris à mon staff. Si tu veux faire un sacrifice, il faut que je te parle d'abord pour savoir exactement où est-ce que ça en est. Parce qu'il y a des mariages qu'on a bloqués énormément. Genre, on est parti, on a fait des sacrifices énormes. Il y a des gens qu'on a même dû faire le bœuf pour débloquer leur mariage. Carrément. Tellement c'était énorme. Il y a des personnes qui font la voyance et tout ça, qui soignent. Qu'ils ont dû sacrifier leur vie. Souvent, quelqu'un avait une carrière de médecin. La personne était même en bain. On l'a appelé que viens rester en Afrique. Oui. Quand tu rêves, là, tu vois un diable dans ton rêve, tout ça là. Et de ta belle-mère. Va voir quelqu'un te nettoie. Comme tu as dit que tu as prévu de voir quelqu'un pour te nettoyer. Il va toujours là où ton cœur te parle. Que la personne que tu choisis ne te fasse pas du chantage. Et tout le monde derrière toi, tu payes quand? Fuis. Et vous devez savoir détecter, il y en a qui sont trop flatteurs.
C'est un esprit malsain. Il te dit ce que tu vas entendre. Je vais payer, je dis, il est gentil. Quand je dis tu ne payes pas, vendredi tu ne payes pas, samedi il commence à te parler mal. Fuis. Mais il vous connaît. Je crois que peut-être c'est lui, que c'est le voisin, le voyant qui va t'épouser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Arrêtez de faire peur aux gens et laissez-les développer leur déité. Ne fais pas peur à quelqu'un, pardon. Je pense que même lire ton commentaire, c'est un honneur. Maintenant, je te bloque. Dans ton rêve, elle n'a pas voulu. Quand vous voyez, je me mets ici et parle, je ne discute pas moi avec vous. Je suis ici pour vous convaincre. Quand tu me crois, que tu ne me crois pas, ça ne change rien sur ma vie. Quand tu me crois, que tu ne me crois pas, ça ne change rien sur ma vie. Parfois, vous croyez qu'elle vient ici là parce que parce qu'on veut vous aider et vous n'aimez pas les aides. Ce n'est même plus, c'est un autre esprit qui est en train de parler maintenant là. C'est seulement pour gronder. J'ai enseigné tout à l'heure là, maintenant c'est seulement les gronder, gronder là. Depuis que tu travailles sur toi, tes soeurs et leurs enfants te fuient. Tu comprends tout, non? Souvent tu vois un homme comme ça là, sa vie est par là. Cette journée tu as fait quoi de ta vie? Tu as quel projet? Tu vas où? Tu ne penses pas que ta vie est bloquée? Tu ne vois pas? Oh! Tu es toujours là. Tu écoutes un peu une de mes vidéos. Quand tu veux faire un truc avec... Tu veux peut-être faire un nettoyage ou quelqu'un vient te dire « Ah, laisse ça. » La personne qui te décourage là, lui-même derrière, il travaille. Et sûrement... Et ces gens-là partent livre aux auras. Les amis... Les amis, il y a même un autre degré d'amis là qui est leur sorcellerie là qui est dans le ventre. Elle te rencontre comme ça là, dans le rêve, on lui montre des choses. Elle se couche dans la nuit, on lui montre des choses. C'est ça, pas de truc là-bas, de grimba. C'est pour ça qu'elle n'aime pas quand les gens viennent, oh j'ai rêvé, t'es vu, toi et moi on faisait ça. Non, laisse-moi seul. Si je devais faire quelque chose avec toi, je vais aussi voir. Manipulation énergétique. Tu as rêvé que tu étais avec moi. Je t'apprenais à lancer le sel et allumer la bougie. J'espère que tu as acheté au moins le sel un jour pour faire. Merci Jacqueline. Heureusement que les personnes comme moi ont accepté leur appel. Beaucoup de gens sont là dehors. Vous êtes dans ma vidéo, vous m'écoutez. Vous savez que vous avez l'appel. Qu'est-ce que vous en avez fait? Tu sais que tu as appelé, non? Sur votre chemin, on met les guides et les aides spirituelles. Parce que de la même façon qu'on vous aide pour sortir du trou, il y a aussi les gens qui sont, c'est leur spécialité pour le blocage. Parfois, un jour, on s'est dit que, mais quand tu pars chez le marabout, tu dis que, donne-moi le remède pour bloquer l'enfant de la femme-ci. Je ne sais pas comment. Dans la pièce, l'énergie est comment? L'atmosphère est comment? Elle a en train de faire ses papiers pour le Canada. Il faut qu'on la bloque. L'enfant de la deuxième femme, oui, il ne faut pas qu'elle parte. Vous deux là, vous vous regardez comment? Aïe! Beaucoup de soi-disant copines, elles sont nombreuses.
Vos bocages là, la personne a, est partie demander. Il a ouvert sa bouche, il a parlé. Quand j'entends qu'on a empoisonné quelqu'un, il est mort. La personne est partie là demander que je veux le truc qu'on met dans le verre, la personne meurt. Oui. Donc ceux qui aident et qui libèrent, ils sont peu. Ils sont peu. Même sensibiliser comme je vous dis ici. Je suis une belle femme. Vous pouvez me pointer ici là et faire les directs où on blague un peu là. Hein? Il montre comment il fait le make-up. Hmm? En m'aventurant dans cette niche, je suis consciente de ce que ça implique. Je sais ce que ça implique. Que je n'ai pas beaucoup de followers. Imagine un peu une belle famille. On dit que oh, ta femme fait quoi? Elle soigne les gens. Elle parle, elle fait des vidéos en ligne où elle monte. La belle famille, même quand elle va arriver, elle va me guetter comme ça. Donc c'est un sacrifice. Et beaucoup de personnes qui aident et qui soignent, ils se sont beaucoup sacrifiés pour aider les gens. Mais vous devez comprendre que cette cause ne sera pas perdue. Coco, on fait quoi avec le mariage? À part se vanter devant les gens. Quand tu es marié, il reste comme ça, il regarde. Ce n'est pas le mariage, c'est juste que tu as... Il y a une fille là, Nara Smith. Il y a une, en tout cas, il y a une jeune fille actuellement là. La fille la plus parfaite, avec le mariage le plus parfait. Actuellement, elle fait beaucoup un carton sur TikTok. C'est sa semaine. Je crois que dans 3 jours, on parlera plus d'elle. Mais actuellement, c'est elle. Beaucoup de personnes, ils veulent se marier pour qu'on les voie aussi. Voilà ce que mon mari m'a donné. Voilà la bague qu'il m'a achetée. Voilà la voiture qu'il m'a donnée. C'est ce que les influenceurs font. Je me demande que les followers qui follow là, ça vous apporte quoi? Je te vois peut-être devant un post d'une personne. Son gars lui a acheté une montre Gucci pour son anniversaire. Mieux de vous. Il t'apporte le petit déjeuner au lit. Vous voulez me montrer quoi aux gens? Tu regardes, regarde mon ronfleur ici, dans son ventre. Tu le pousses. Il dit que les fleurs sont les moutons. Après quoi? J'ai toujours pensé que tout ce que je fais et que, qui sortira de moi, toute entreprise que je créerai, c'est pour apporter de la valeur. Et on peut apporter de la valeur en se faisant de l'argent. C'est possible. Vous m'écoutez, non? Ce qu'ils disent, ça vous aide, non? Il me faut aussi de l'argent, non? C'est possible de combiner tout ça. Il y a la promotion de lavage. 25 000 jusqu'à 18 heures. 25 000 francs. Au lieu de 50 000. Est-ce que ça marche toujours? On obtient ce pourquoi on a de, ce qu'on a demandé. Oui, parfois on fait le sacrifice. Quand on fait le sacrifice, tu n'obtiens pas toujours ce que tu as demandé parce que, premièrement, ce que tu as demandé n'est pas aligné avec ce que Dieu veut pour toi. Tu
veux te marier avec Jean Bosco. Il n'est pas bien pour toi. Hmm? Tu forces. Comme celle qui disait tout à l'heure là. Elle peut venir dire que non, elle pousse, elle paye, elle paye. Elle dit, Ça, c'est l'une des premières raisons. Deuxième, ce n'était pas assez. Le blocage qu'il y avait sur la personne était trop élevé. Ce que tu as fait n'était pas assez. C'est pour ça que quand tu commences au travail spirituel, tu dois faire jusqu'à ce que tu vois et ce que tu as demandé. Si tu n'as pas le cardio, je ne travaille pas sur toi. Oui. Même du côté financier, voir que tu n'as même pas d'abord. Même pour payer d'abord 20 000 pour le sel et les trucs, tu ne pouvais pas. Il ne peut pas m'engager pour faire les grands travaux sur toi. On t'a bloqué à la valeur de 2 millions. Toi, tu viens avec 5 ans, mais tu veux te débloquer. Tout en une journée. Non. Tu donnes l'offrande de 500. Tu dis que je reçois 5 milliards de francs CFA. Avec 500 francs d'offrande. Cynthia, bonjour. Prisca, bonjour. Il y a des lois spirituelles. Tu vois souvent que quand il sort 2 millions, il fait son travail. Les 2 millions, là, vont lui donner au moins 50 millions. Ça va venir. Toi, tu es là, tu arrives à peine à sortir 10 000. Pas parce que tu n'as pas. Hein. Parce que pour toi, tu ne trouves pas à quoi ça sert. Bon, j'ai fini de parler. Bye. Et que la promotion s'étend jusqu'à 17h, jusqu'à 18h. L'argent appelle l'argent, mamie. Simple. Il est 18h, ton fils danse. Ok. Donc, je viens détruire les blocages que vous avez ressentis dans votre corps, dans votre esprit. Je viens enlever les barrières que l'ennemi a mises sur vous pendant des mois ou des années. Que le jeûne d'aujourd'hui touchait le ventre. Toute entité, tout serpent dans votre ventre qui bloquait vos finances, votre business, je vous en débloque. Je déclare que vous, ce jeûne qu'on est en train de faire aujourd'hui, on finit à 18h, il est 17h23. C'est un jeûne pour les sauts quantiques. Que vous passiez dans une autre dimension. La main sur la gauche. Je libère ta gorge. Je libère ta gorge. Au nom de Jésus-Christ. Toute arme qui a été forgée contre toi, elle est sans effet. Tout endroit où on t'a bloqué, on ne voulait pas ton bien. Je te sors de leur manque, de leur griffe. Comme tu m'écoutes, tout trou dans lequel tu te sens, ton corps, tu te sens fatigué. Je te libère. Ventre au côté gauche, à gauche du nombril. Touche. À cet instant, tu es en train d'être délivré. Tu es en train d'être délivré. Je détruis toute entité, tout serpent dans ton ventre là maintenant. Je détruis. Je prends autorité sur les ralentissements que tu subis. Je prends autorité. Je prends autorité sur tes ralentissements. J'ouvre tes yeux, que toi-même tu voyes. Tu vois tes oppresseurs. Toute personne qui veut te manipuler dans le spirituel. Libère ta gorge pour que tu parles. Tu parles. Marababashika rabakoso toroboshika. Les brocoso koroboko chandelebosa. Je guéris ton cœur. Rabababashi karababa santé les bossa. Je guéris ton cœur. Je guéris ton cœur. Toute douleur, on t'a abandonné. Douleur d'enfance. Je te guéris au nom de Jésus. Je te fortifie. Vois ton argent qui vient. Vois l'argent pour payer le terrain là. Vois l'argent pour finir le chantier que tu as commencé. Vois l'argent pour payer le loyer que tu n'arrivais pas à payer. Vois l'argent. Vois. Toute personne qui t'a attaqué, je retourne ses attaques et ses flèches à l'envoyeur.
back to sender. Je te prospère. Remettez encore la main sur la gauche. Si c'est au travail qu'on a empêché que tu parles, tout endroit où on a pris ta voix, on t'empêche de parler. J'ouvre ta gorge à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui t'a manipulé, oh, j'étais vu dans mon rêve, oh, j'étais vu, j'ai vu que c'était toi ma femme, j'ai vu que c'est toi. Je déclare que ta lucidité revient. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Comme tu as jeûné aujourd'hui, toute âme qu'on avait forgée pour te bloquer est sans effet à partir d'aujourd'hui. Secouez le corps, secouez le corps. Allez, secouez le corps. Secouez. Secoue, secoue, secoue. Tu fais comme ça trois fois sur chaque côté. Toute entité qui s'est attachée sur toi. Depuis le matin, il voit quelqu'un que tu es dans une chambre sombre. Depuis le matin, tu n'as pas ouvert les rideaux. Tu n'as pas vu l'extérieur. Je te sors les ténèbres. Toute ténèbre qui s'est agrippée sur toi. Je t'en libère à cet instant. Je guéris ton mal d'estomac comme tu as pu jeûner aujourd'hui. Je te guéris à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez rôter ou bien vous allez vomir. Ou cracher. On dit que les lavages sont en promotion pour 30 minutes encore. 25 000 au lieu de 50 000. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 0779-02-52-05. Le numéro du Gabon, 074-18-00-80. Je déclare que tu es prompt à agir. Je te pousse, je te sors de cet endroit où on t'a immobilisé. Tout cercueil dans lequel on t'a déposé. Souvent, tu rêves, tu te vois avec les bougies comme ça dans une salle. Je te sors de là, j'apparais là-bas et je saccage ce qu'ils ont mis pour te bloquer. Tout rituel qui a été fait avec ta photo. Tout nourriture qu'on t'a donné pour te bloquer, pour t'immobiliser. Tu peux le faire. Comme tu m'écoutes, je relève ton esprit. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Sois illuminé. Que ta lumière soit là. Je libère ton cœur. Je sens que quelqu'un est là. C'est comme si on avait. C'est comme ton cœur avait carrément. Tu as peut-être eu un semblant d'AVC. Tu es figé dans le cœur carrément. Tu commandes au côté droit de ton corps d'être guéri à l'instant. Je te guéris, je te guéris, je te guéris. Tout pays dans lequel tu es, le pays te rejette. Le pays t'est hostile. Il faut acheter le Fanta ou faire la libation. Vous demandez la faveur du pays là où vous vous trouvez. Reçois tous les papiers dont tu as besoin pour pouvoir opérer là-bas. Je te mets en ordre. Je déclare que tu n'opères plus dans le noir. Qu'il en soit ainsi. Je sais cette prière par le sang de Jésus. Les hanches aussi, je vois quelqu'un ici, le mal de dos. Derrière là, beaucoup de douleur. Je te guéris, je te guéris, je te guéris. Tout serpent dans ton dos, dans ton dos, dans ton ventre, dans le bas-ventre. Les myomes, ça se désintègre, ça sort. Mets la main sur la poitrine, je restaure ta voix que tu parles. Je restaure ta voix que tu parles, tu parles, tu parles. Tout en droit, t'as immobilisé pour que tu ne parles pas. J'ouvre ton chakra de la gorge. Toute personne qui te dominait, tu as vu le message depuis le matin, tu n'as même pas osé répondre. Ta voix sort, tu lui parles, tu réponds. Personne ne te domine plus au nom puissant de Jésus. Je te détache, je te libère. Secouez-vous. Je te libère. J'enlève les menottes sur toi, les menottes. J'enlève les menottes. J'enlève les menottes. J'enlève les menottes. Faiblesse. Mental, spirituel, sexuel, je t'en guéris. J'enlève la honte sur toi, l'opprobre. Tu as fait un truc, tu avais les vues, ça marchait, et là c'est tombé. Je te relève, repars sur la page, là tu travailles. Poste à nouveau. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas t'arrêter? Rababoshi karabako sante. Ils sont petits.
Rakoshu karababashi karabako sante. Tout ce que tu as demandé pour ce jeune, je te le donne et plus encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vision de toi s'améliore. Tu te vois comme une petite personne, que tu fais un truc, personne n'achète, personne ne vient. Et dès que tu te vois maintenant comme une femme que les gens viennent. Tes magasins sont ouverts. Vois les magasins. Vois, tu as les nombres de vues qui augmentent sur les réseaux sociaux. Tu fais les vidéos, tu parles. Sans avoir peur. Toute personne qui essaie d'intimider sur les réseaux sociaux, je retourne à l'envoyeur. Je retourne les flèches qu'on a mises sur toi à l'envoyeur. Toute parole qu'on t'a dit, c'est calé dans ton cœur comme une flèche. Je retire, je retire, je retire. Mettez la main sur la poitrine, je retire. Les gens qui vont vous attaquer, ils voient que tu progresses, ça les dérange. Ils t'envoient les mots. Les mots. Mikarus karusa de mots sheki à la cassante. Les rousses bourra bakasse traduce kala bakasa et kokorobo shikara baba sante les rosa ikos kara bakosha ikros kami ala ba centre casco tout voisinage on va vous attacher, on vient la nuit pour vous intimider. C'est toi qui domine maintenant. Faut mettre le sel au quatre coins de ta chambre avant de dormir ce soir. Et le cas que tu n'as plus la paresse pour te laver au sel, j'enlève la paresse. J'enlève la paresse. Je bénis vos magasins, vos lieux de business, vos lieux d'activité. Quand les gens viennent, ils ont envie d'acheter. Ils viennent, ils payent. Lève-toi et prends courage. Va vers ta mission. Lève-toi et fortifie-toi. Manifeste ta vision, lève-toi et courage, accomplis ta mission. Tout environnement, toute personne avec laquelle tu as été, tu as couché, et son énergie en train de te ralentir, je détache tes chaînes. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Ton espoir ne va pas tomber à l'eau. Tout espoir que tu as nourri, tu as l'impression que ça s'est gâté, ça fait 2-3 jours. Je te le remets. Karus kariya mamo chande. Ora baba bakati ela baka sante. E kroko sokoto. Toute opportunité qui paraissait perdue. Ora baba baba bakashi ela bako sora baba bakatale monde de bossa. Je remets sur ton chemin. Je remets sur ton chemin. Je remets tes projets. Je remets tes idées. Tu vas vivre seul. Tu prends ta maison. Tu habites seul. Au nom de Jésus. Voilà l'argent qui vient pour payer ton loyer. Voilà l'argent qui vient. Tu ne savais pas comment tu as trouvé 3 mois de loyer, 4 mois de loyer. Reçois cet argent. Reçois le matériel pour lancer ton business. Reçois. On me dit, je te dis que tu as franchi un cap dans ton business. L'argent que tu recevais avant va doubler. Si mensuellement tu avais 3000 euros, maintenant ce sera 6000 euros. Les 2-3 jours de nuit noire de l'âme que tu as passé, ce n'était pas au hasard. J'ai dit de recevoir sa maison. Que Dieu me vienne en aide pour une maison. C'est très faible ça. Reçois ta maison. Toute liste que vous attendez, vous allez au-dessus de cette liste-là, en première place. Tu reprends le goût pour la parole. Reprends le goût pour lire la parole. Reprends le goût. Je te sépare. Toute personne, c'est ton gars peut-être qui est venu à côté de toi. Et il te bloque. Si tu prévois même de partir chez lui-là, ça ne marche pas, tu ne pars pas. Tu restes seul, tu te concentres. Et quand on te parle, tu écoutes. Je fais tomber les chaînes, les voiles. Secouez le corps. Enlevez encore, enlevez. Une fois, deux fois. Trois fois. J'enlève la honte. Frustration. Tu fais les trucs, tu postes, les gens n'achètent pas. Tu mets les services, les gens ne viennent pas. J'appelle les gens qui te voient. Qui te trouvent. Qui te trouvent. On reçoit, que Dieu vienne en aide. Ouais, Seigneur. Vous aimez prier les prières de faibles. Vous aimez les prières de faibles. Que Dieu vienne en aide. Hein? On reçoit son travail, ma chérie.
Recevez votre travail. Recevez la promotion financière. Recevez vos clients. Tu n'es plus petite femme, hein? Quand tu parles, les gens ont peur. Ils ont même été en peur de toi. Avant, quand on faisait, tu fuyais. Et maintenant, là, c'est toi qui dis que c'est qui? Tu as dit ça pourquoi? Quand tu deviens puissante, là, tes clients viennent à toi. Ils veulent acheter chez toi. Ils veulent être servis par toi. Ils veulent tes produits. L'argent entre. L'argent entre. Reçois l'argent pour ton chantier. On a encore 25 minutes de promotion. Le lavage à distance, c'est 25 000 au lieu de 50 000 ce soir. Le numéro sur Airtel au Gabon, plus 241 074 18 00 80. 074 18 00 80. Le numéro de la Côte d'Ivoire. 07 79 02 52 05 07 79 02 52 05 Cameroun 237 655 31 07 50 Tu reçois la possibilité de m'épouser. Tout ce qui est envoyé pour vous détruire, je déclare que c'est attaché et je retourne à l'envoyeur. Quand ça arrive dans son camp, ça se multiplie par 7. Il reçoit 7 fois plus que ce qu'il t'a demandé, qu'il t'a envoyé comme flèche pour que tu tombes. Je vous solidifie. Je vous solidifie. Vous vous étendez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ésaïe 54. Étendez vos cordages. Vous ne tomberez pas. Vous ne manquerez pas. Tu vois, oh, je vais faire comment pour payer une personne. Tu vas embaucher 5 personnes en plus. J'augmente ta capacité financière. Tu avais les business qui sont venus, tu as fui. Maintenant, c'est toi qui vas vers le business. Les cochous karabababa, et crocotari à la bakoso, les roussari à macho. Toute personne qui gère tes activités en ton absence, la personne va bien le faire. On parle d'argent. Nathalie est en train de parler de plantain. Tu as rencontré un homme, tu vois, ça c'est l'homme de ta vie. Faut me laisser. Succursale que vous avez, tout employé qui est là, vous n'êtes pas là quand il est en train de travailler, que ça se passe bien, avec excellence, avec excellence, comme si c'est toi qui étais là. J'appelle à toi les travailleurs qui sont conscients, qui rachètent le temps. Recevez vos papiers. Recevez les papiers. Pour le ventre, là, je vais demain de prendre le kit des envoûtements, n'oubliez pas. Que la lumière soit sur vous, que la lumière soit avec vous, que la lumière ne vous quitte pas. Inch'Allah. À la grâce divine. Tout ce qui est sorti de votre corps aujourd'hui, toute idée que vous avez reçue, vous allez agir sur ces idées. Toute force que vous avez reçue, je la convertis physiquement.
Que votre foi soit inébranlable. Que votre foi grandisse. Toute personne qui vous contrôlait, je les chasse à côté de vous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il au nom de Jésus. La promotion continue encore pour 20 minutes. Voilà. Tous les numéros sont là. Le kit fondation, c'est 70 000 au Cameroun. En Côte d'Ivoire et tous les autres endroits. Parce qu'au Cameroun, c'est la base. C'est l'usine. On va dire que tu achètes à l'usine. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est 110 000. Gabon, 110 000. Achetez vos produits. Bientôt, ils vont augmenter les prix au Cameroun. Je vois que j'ai des prix au Cameroun là. Parce que j'ai le magasin maintenant. J'ai le magasin. J'ai maintenant le magasin au Cameroun. Quand les choses vont toucher le magasin, ce sera plus 4, ce sera plus 70 000. Je vais commencer à faire ça. Voilà. Bon. Soyez bénis. Allez dans la paix. Mangez dans la paix. Soyez en abondance. Les dons. Je bénis vos offrandes. Ceux qui ont fait les offrandes. Les numéros pour les offrandes, c'est les mêmes pour nous contacter. Au Gabon, c'est RTL 074-18-0080. Les offrandes, les dons pour les orphelins, tout ce que vous avez envoyé, je les bénis. Côte d'Ivoire, 0779-02-52-05. Ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Par PayPal, c'est Aurélie. A-U-R-E-L-I-E Michel. M-I-C-H-E-L-L-E 2017, donc 2017@gmail.com. Ça doit s'afficher en livre sterling et ça mettra reine lumière normalement. Ça doit convertir en livre sterling quand vous l'envoyez sur PayPal. Donc la devise va changer si vous payez de l'euro ou du dollar. Voilà. Soyez bénis. Premier kit fondation. Prends d'abord le kit fondation, oui. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Bonne soirée, on va dire. Merci. Que mes ancêtres m'accompagnent. L'offrande, c'est à la rupture du jeûne ou peu importe. Tu envoies avant, tu n'as pas de souci. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du jeûne. Même pendant la journée, tu envoies. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.